Noumane, le seul youtubeur qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi. Ta-da-ta. Salut les biloutes, c'est Noumane. On se retrouve pour la grande finale de ce bouclier des champions. Vous voyez que la coupe est en train d'exploser dans tous les sens avec des petits feux d'artifice. C'était sur FIFA 13, ça n'était pas sur Xbox 360, c'est revenu sur Xbox One. C'est tout con comme animation, mais ça fait plaisir, au moins c'est un peu festif cette finale. Toujours avec, forcément, un dernier épisode de cette série en route pour Rio avec l'équipe du Brasil. J'ai pas fait de changement au final, parce que cette équipe me plaît bien, voilà, elle est bien comme ça. 12-0 premier match à l'extérieur, deuxième match à l'extérieur, 2-1 également, match un peu tendu. Troisième match, demi-finale, 4-2 avec 2 KC de mon adversaire, mais un match géré dans l'ensemble, somme toute, sacrément bien. Et puis voilà, la petite finale qui va se préparer. On va jouer easy, tranquille, sans se prendre la tête. On m'a dit aussi, alors Felipe Melo, prends-le en boost aussi pour 60 000, tu verras, naninana. Bon, vous savez un peu ce que je pense des boosts, hein, pour moi c'est de la pure arnaque. Donc je ne le prends pas en boost, je le garde en version up, c'est-à-dire en 82. Et bon voilà, cette équipe se tient bien, comme je l'ai dit, bonne défense, très très bonne défense. En attaque, bon, ça passe ou ça casse, je suis très content de notre ami Hulk, hein, franchement, 3 matchs, 4 buts. Et un gros gros physique, ça fait zizir. Est-ce qu'on va jouer la finale à la domicile? Alors, attends, on va changer un peu, parce que, ouais. Parce que j'espère qu'on verra la différence, normalement ça devrait marcher, parce que mon maillot est un peu plus orange que rose. Nous allons jouer contre une équipe mixte avec Akbon Lahor et, oh, et Johnson, c'est ça, le tueur en série, non, je sais plus comment il s'appelle. Gros gros physique, nous avons du bon joueur, Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Une équipe mixte argent-or, s'il a mis les joueurs comme ça, c'est qu'il connaît son équipe. Hein. Ah, dommage, c'est qu'on voit pas trop la différence entre les joueurs, c'est ça qui me faisait peur. Altidor, voilà. Ah, s'il dort, il a qu'à aller dormir. C'est parce qu'il est fatigué. Attention, on va essayer le physique. Vous connaissez un physique des Anglais. Beaucoup plus impressionnant que celui des Brésiliens, sauf au niveau de la défense. Allez, coupe la passe, là. Petite finale, tranquille, ça, je suis content. Hein, voilà, quand j'arrive à faire une petite finale, hop là, vous avez vu le physique un peu, il dégage en touche. Quand on arrive à faire 3-4 vidéos comme ça avec une équipe, c'est qu'on. J'en ai fait quelques-unes hein, depuis FIFA 14. C'est vrai que je pense pas en avoir gagné une de coupe, de bouclier, pardon. Alors par contre, si personne ne propose, ça va être compliqué. On va jouer un peu en retrait. Voilà. Allez, Felipe Melo. Ah, dommage, il n'a pas réussi à se mettre sur son pied droit. Tiens, va pousser au fion. Il est pas hors-jeu celui-là. Non, elle va arriver. Les fameuses ouvertures magnifiques de FIFA 14. Et dégage. Hop là, les gardiens. Bien joué, Julio César. C'était compliqué parce qu'il faut, il fallait pardon, pas se planter. En bas que ça se passe. T'as l'impression que le mec il jette un. Allez, Daniel Vess. Il jette un poids. Allez, par contre, il faut que tu partes. Oh, il est pas parti. Ça y est, il est pas hors jeu. Allez, Hulk. Le physique de Hulk. Voilà. Hop là. Henri Banet. Il la récupère. La frappe. Hop là. Il se la fait enlever au dernier moment. Bien joué de mon adversaire. On va lui mettre un peu de pression là. Qu'est-ce qu'il siffle? Bon, il y a faute de quoi? Ah, j'ai pas trouvé la faute. Il la joue vite. Est-ce que ça va être préjudiciable pour lui? Non. Il arrive à la récupérer. Ah, dommage, là, cette petite remise de notre ami pour Neymar. Oh, attention, pareil, là, l'ouverture qui va être efficace. Est-ce qu'on arrive à la récupérer? Altidor et son énorme physique. Le centre, il n'arrive pas à la récupérer. Attention, attention, ça tourne un peu beaucoup devant. Ah, là, on dégage à l'arrache. On va continuer encore à serrer les fions. À serrer le fion. Là-haut, est-ce qu'il va... Ah, ça va être récupéré, j'ai fait le couillon. Ouf, avec un beaucoup de chance, on arrive à la récupérer. Bien joué. Bien joué ça, petite fin de frappe. Est-ce que le ballon va sortir? Voilà, elle est sortie. Pour nous, on va jouer derrière. Bon, pour l'instant, finale qui est assez serrée. Les deux joueurs s'observent. Ah, oh, ce couillon là qui se fait en touche tout seul, dommage. Pas trop d'occasion franche. Ah, je suis déçu là pour l'occasion de notre ami Neymar. Là. Il n'y avait plus qu'à frapper. Ça a été bien défendu par mon adversaire. Félicitations à lui. Alors, chaud. Il est chaud. Par contre, on va la remettre directement au gardien. Voilà. Et encore une fois, Audacity a fait des siennes, donc je vais reprendre dans les conditions du non-direct. Attention, la frappe. Oulala, c'était limite. Hein. Là, vous avez vu le gardien qui a commencé sa première limite cagade. Long dégagement, parce qu'il vaut mieux à 0-0 dégager très très loin quand t'as eu chaud comme ça à ton cul. Moi, je suis désolé, hein. C'est vrai que ça coupe de temps en temps, ça arrive une fois tous les 10 vidéos. Et c'est aussi pénible pour vous que pour moi. Mais on va reprendre les conditions du direct. Il y en a pour une petite minute 15 comme ça. J'espère que ce match va porter toutes ses promesses avec une petite ouverture superbe là-bas. Pour mes petits joueurs qui déballent, qui courent, qui va réussir à s'entraîner. Encore une fois, c'est contré par la défense de mon adversaire qui est quand même bien, bien physique. Hein. C'est vrai, la Rony qui a une main à la place du pied qui dépose ça sur une tête. Ça réussit. Peut-être on va réussir à m'en tourner pour tirer. Non, pas du tout. Attention à la contre-attaque là-bas. Il est lancé. Oh là là, il prend l'avantage. Ça va être l'idée. Il se retrouve tout seul devant mon gardien. Je tire la manche.
Ça a failli. Alors, c'est vrai que je chie à chaque fois sur ceux qui tirent la manche en longueur de temps. Là, je l'ai fait et ça m'a bien aidé. Il doit certainement se mordre une couille tellement il doit être énervé. Le corner très très bien tiré. Alors, il les tire sacrément bien parce qu'ils sont au deuxième poteau. Mais si tu fais sortir ton gardien, il se fait lober. Donc, c'est pour ça que c'est bien intéressant. Et c'est vrai que c'est une technique comme une autre pour tirer les corners. Récupération directement par mon adversaire qui, pour l'instant, domine largement les débats. C'est vrai que j'ai pas trop d'occasion. J'ai pas non plus trop la possession. Donc, l'un dans l'autre, pour l'instant, 0-0. C'est un peu flatteur pour moi. Je reçois des messages, je ne peux absolument pas répondre pendant que je joue, vous comprendrez bien le système. Et je vous dis, bah écoutez, on se retrouve avec le Noobman du direct. Peut-être encore une contre-favorable de mon adversaire. Le centre, deuxième poteau là-bas, la tête, et le but. Le premier but, truite pas dans le filet. Allez, je vous laisse avec les conditions du direct, à tout de suite. BNW qui prend l'avantage. On est logiquement mené, hein, parce que de toute façon, il n'y a eu aucune occasion de notre part. C'est pas grave, il n'y a qu'un but d'écart, rien n'est fait. Voilà, le double contact. Ouais, mais par contre, reviens à la faute. Allez, joue, vite. On est mené. Oula. Je suis pas un peu déçu, là, mais je reste concentré, parce que je me dis que pour l'instant, on n'a pas trop d'occasion. Et hop là, bien joué, ça. Allez. Ah, là, ça passe pas. Allez, Hulk, au physique, avec Neymar. Cette fois-ci, la frappe et l'égalisation de Neymar. On a fait la même. Tiens, tu voulais me faire une truite dans le filet, je t'en fais une aussi. Exactement la même action qu'au départ, c'est vrai que cette fois-ci ça a marché. L'appel de Neymar, on lui met dans les pieds, avec sa vitesse il prend l'avance, et bing ! Voilà, une petite frappe dans le filet, on égalise. Alors c'est pas du tout mérité, je suis désolé, hein, enfin pour mon adversaire. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. Une finale, c'est comme la finale du PSG contre Lyon, elle était pas belle, mais le principal c'est de la gagner. Oula, il est pas hors jeu lui, si quand même un peu. Non, ou pas. Excusez-moi, je vais aller savater mon chat qui se balade dans ma cuisine. Allez, petite pause. Voilà. Alors je suis désolé, mon chat est tellement voleur qu'il serait capable de bouffer dans ma propre assiette pendant que je bouffe. Donc là il est en train de bouffer mes brioches pour demain, tout le monde s'en fout, 36-15 ma vie. Donc j'ai dû intervenir, hein, parce que là si on touche à mes brioches, moi je craque quoi. Mes brioches au sucre, mais en même, culé, t'as qu'à les bosser si tu veux avoir des brioches toi. Exactement. Allez, c'est parti, Jarvis, la vitesse de Jarvis. On m'envoie plein de messages, je suis désolé, je ne peux pas répondre pendant mes vidéos. Vous comprendez bien pourquoi. Ça y est, du coup je suis en train de faire n'importe quoi. Altidor, est-ce qu'il va passer? Voilà. Voilà. On arrive à l'avoir. Voilà. Tranquille. Allez. Là-haut, sur la montagne. Hulk, il est gaucher. La grosse frappe! Oui, c'est vrai qu'il y avait une bonne frappe. Hein. Par contre, elle est partie super vite en hauteur. Là. Semble pas que j'avais appuyé tant que ça sur le. Ouais, alors, déjà, la dernière fois, tu avais dégagé là. Est-ce que là, tu vas faire pareil? Oui. Kelly, le. Non, c'est. Hop là, bien joué ça! Interceptionne. Allez, mets ton pied. Putain, Ronnie, t'es lent. Ah, c'est un peu notre... Ouais. Oui, alors si tu pouvais éviter de te trouer comme ça, ça pourrait être sympa. Attention, la couillasse. Ouh, bien joué, gardien. Ouais, petite couillasse, hein, quand même, là, en défense. Une relance bien dans l'axe comme il faut. Tout à l'heure, il l'avait tiré. Voilà, il avait tiré un peu au premier poteau, c'est pour ça que je l'avais fait sortir directement le gardien. Est-ce que je pouvais sélectionner un joueur? Ça serait sympathique quand même. Alors je suis désolé, ça lag énormément. Allez, pousse au fion. Allez. Oh, dommage. Ah, tu le sens. Est-ce que tu le sens, le deuxième but qui arrive? Bien joué gardien. Gardien, bien joué défenseur. On va dégager le plus loin possible, c'est-à-dire 1m50. Ouais, alors c'est un peu le bordel, on attend juste qu'il marque son deuxième but. Hein. Voilà, on peut absolument pas dégager, vous voyez la 45e qui s'affiche. Je veux pas parler de script, mais bon. Voilà, le gardien, il n'y a plus moyen, voilà, il récupère la balle, il va s'en aller marquer, c'était annoncé. Voilà, on peut pas dégager, voilà. Enfin, ouf, quel bordel. Allez Hulk, putain, ça lag, pourquoi ça lag maintenant? LBY, oh il est parti. Oh, dommage. Oui, c'est vrai que c'était un très très laid LBY. Hein. Alors, la 45e minute qui dure 12 ans, ça c'est aussi un truc qui me sidérera toujours, hein, parce qu'on a chacun eu 5 occasions et on est toujours à la 45e minute. Alors, si tu pouvais éviter de me spammer de messages. Ouah, dommage. De joli, Saroni. Et la 45e minute, c'est la folie, quoi. Ils se sont pas rendu compte de ce qu'ils avaient créé quand même comme merde. Ça fait combien de temps? Ça fait 12 minutes qu'on est à la 45e. Allez. Allez.
Bon, bah, on a plus le temps. Il faut centrer. Allez, corner. Pff, oh la vache, non, mais c'est choquant, quoi. Même si c'est pour moi, je trouve ça choquant. Allez, va petit. Oh, mets ta tête. Oh, dommage. Et on est toujours... Voilà. Donc, après 107 minutes de prolongation... De temps additionnel, nous arrivons enfin à la mi-temps. Les stats sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire que, bah voilà, comme d'habitude, c'est une égalisation honteusement volée de ma part. Je suis désolé encore une fois. Mais c'est comme ça, c'est le football. Allez, par contre, faut démarrer un peu plus vite, là. Ok. Qu'est-ce qu'ils nous font, là? Ils sont pas dedans, dès le départ. Attention à l'ouverture, qui pourrait être dangereuse. Alors moi, j'aime bien dégager comme ça. Ça évite de faire de la couillasse. Allez, va. Putain, Ronny. Ah oui, Ronny, il a plus le physique. Hein, il a plus le physique. Bon, il intercepte encore, il se place bien, mais c'est vrai que son accélération est nulle, ou quasi nulle, ce qui a fait de lui un escargot. Il n'y a pas d'autre mot. Pour qui? Elle est pour moi? Non, elle est touchée par David Weiss. Tahiti Bob, l'homme à la touffe. La touffe m'étouffe. Allez, on intercepte. Voilà. Allez, tout de suite. Ouh, ah oui, ça lag un peu. Hein. Alors, bizarrement, on va pas dire que ça lag quand j'ai la balle. Enfin, mais presque. Bien joué, ça. Allez, faut que ça parte. Est-ce que ça va? Oui, bah non, c'était téléphoné. Comme dirait notre ami Claude François. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, il y a quelqu'un pour toi. C'est très très mal joué. C'est très très mal joué. Heureusement que ça défend. Bien joué, ça. Allez, le double contact. Joli, ça. Ah, dommage, on a voulu faire la même. Allez, mais dégage. Oh, la vache. Petit double contact. J'aime beaucoup ce geste-là. C'est vrai que je l'utilisais pas du tout avant. Et maintenant, je l'aime beaucoup. Ah, dommage. Allez, on intercepte. Allez, va. Faut que ça parte. Là-bas, l'ouverture. Oh, il est pas parti. Mais quel couillon. Ah, il y avait 5 appels. Le seul qui fait pas un appel, c'est à celui à qui je fais la balle. Dommage. Ah, les fameuses transversales qui marchent terriblement bien sur ce FIFA. Ouais, d'accord, au bout d'un moment. Peut-être arrêter de prendre tout le monde pour de la merde. Allez, va. Et il y va. Allez, c'est Jean. Allez, Jeannot, pour le Brésil. Sans tête but, rien à branler. Allez. Putain, qu'est-ce que t'as branlé, Jeannot, là? Bon, attention à la contre-attaque. Altidore. Bon, il dort un peu, d'ailleurs, parce qu'on l'a pas trop vu. Même si c'est lui qui a marqué, je crois. Ouf, tu vas pas me dire qu'elle est passée, celle-là. Non, mais c'est quoi, cette ouverture? Bien joué à lui. Ouais, les fameuses ouvertures du défenseur central où tu balances devant n'importe où et que ça tombe pile poil avec 10 mètres d'avance sur le premier défenseur. Ça aussi, hein, on sera pas déçu de le quitter dans ce FIFA 14. C'est quand même une plaie. Mais bon, c'est comme ça, on va faire avec. Allez, on se retrouve mené. On a déjà été mené, on a égalisé. Pourquoi pas une deuxième fois? Même si c'est vrai que de toute façon, pour l'instant, il mérite largement sa victoire. Tiens, mon truc, c'est le LBY. Voilà. Allez, tout de suite. Oh, qu'est-ce qu'il siffle? Penalty, hors-jeu. Non, hors-jeu. J'avais attendu le dernier moment pour lui faire. Ah! Allez! On va revenir, moi je vous le dis. Pas possible. C'est dommage parce que c'est vrai que ce but-là, bon, il est complètement indéfendable. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, magnifique! Alors là, si je me le prends pas celui-là, je comprends pas. Non, mais vous avez vu cette espèce de moonwalk? C'est hallucinant. Alors revenez en arrière, vous allez voir quand même ce que j'appelle franchement le script. Le David Luiz qui a fait un moonwalk automatique de 50 mètres en arrière. Mais c'est n'importe comment, on va jouer en offensif. Oui, alors autant des fois je veux bien pas râler, mais autant quand tu vois des trucs comme ça, tu te dis que bon, il y a peut-être un petit truc à changer quand même, hein, parce que c'est quand même fini à la pisse. Hein. Allez, roule. On est passé en offensif, on va essayer de se créer des occasions. Ronaldinho qui s'est blessé, fin de carrière pour lui, c'est dommage. Oula, ouais, par contre, j'aime bien offensif, mais ça veut pas dire non plus lâcher la défense. 70e minute, il nous reste 20 minutes, normalement il devrait nous rester une ou deux occasions, hein, si on se débrouille pas trop mal. Voilà, donc le petit contre-favorable qui lui permet de passer 3 joueurs avec un seul, c'est toujours beaucoup plus pratique. Allez, roule. Ah, il faut que ça parte là. Bon, par contre, bah oui, il n'y a personne, hein, c'est ça le problème. Voilà, vous voulez que je fasse quoi? Je suis en offensif et il n'y a absolument personne devant. Ouais, bizarrement, alors je sais pas ce que je dois faire. Donc, comme je dis, hein, c'est vrai que je suis pas persuadé non plus que quand tu te mets en offensif ou en défensif, ça change grand-chose, parce que là, vous avez vu que j'étais en offensif et je n'avais absolument personne, mais absolument personne devant. C'est même lui d'ailleurs qui se retrouve beaucoup plus offensif que moi.
Allez, faut que ça aille vite, faut que ça aille vite. Voilà. Moi aussi, je vais te faire de l'ouverture. Non, mais c'était tout en bas que je voulais. Oh là 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 là, bon, allez, ultra off, on a plus le temps. Le tout pour le tout. Et une finale, il faut égaliser. Vite, 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 vite. Cours, 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 cours. Voilà, bien joué ça. Par contre, attends pas ta balle, Ronnie. Allez, va. Allez, va. Allez, Hulk. Oh, Hulk qui avait du physique, qui n'en a plus bizarrement. Le centre est parti, la tête, on peut pas. C'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure équipe pour faire du centre tête but. Ah, dommage, il avait choisi le bon côté. Il y avait un côté sur deux. Hein. Oh la vache, ouais, bah écoute, si je t'embête, tu le dis, hein, continue tout seul. Hein. Bien joué à lui pour l'instant. D'accord, ok. Merci le gardien. J'ai pas compris là. Il y avait juste un... Normalement, t'es pas censé marquer quand tu fais une frappe d'asthmatique du gauche en lucarne où t'as le gardien. Mais bon, le gardien, comme on m'a dit, pour l'instant, il t'a pas encore fait de couillasse. Là, il en a fait une belle. Bon, tant pis, hein. Allez, on va... De toute façon, le score est acquis pour lui maintenant. On va juste essayer de pas s'en prendre trop. Ouais, peut-être pas non plus, hein. On va se remettre en équilibré parce que ça sert à rien. On va pas réussir à marquer non plus 50 buts en... Peut-être pas en défensif quand même. Ah ouais, ultra offensif, on n'en peut-être pas quand même. Allez, vas-y. Ah, c'est dommage. La finale, bon, de toute façon, du départ, pardon. C'est vrai qu'il était beaucoup plus fort que moi. S'il pouvait y avoir un appel, ce serait sympa. Voilà, bien joué. Allez. Ah, dommage. Mais pourquoi tu t'en vas de l'autre côté et tu vois le ballon? Va du vrai côté. Il va attendre un peu, gagner du temps. Bon, c'est normal. Hein. Voilà. Chose qu'il n'avait pas encore fait du match. Ah! L'ouverture, ouais, bien joué. Allez, Altidore qui s'en va, sûrement pour marquer le quatrième but. Je ne peux plus défendre mes joueurs. Ce télescope, c'est la fête du slip. Ça n'a plus aucun sens. Qu'est-ce qui siffle? Rien du tout. Allez, dégage-moi ça, le plus loin possible. Ah, compliqué, hein, compliqué. Belle équipe face à moi. Là, je suis quand même un petit peu surpris par ce moonwalk de David Luiz. Hein. Franchement, là, c'est le truc qui saute aux yeux. Hein. Ça pique bien les yeux. Tu te dis, bon, quand t'as vu ça, c'est pas que tu peux mourir tranquille, mais tu te doutes bien qu'il y a une petite couillasse quelque part. Allez, coupe, 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 coupe. Coupe, mon ami. Ah, bah, tu croyais que. Hein. Tu croyais que. Non, même pas. Hop là, oui, festival de William. Festival, moi, je vous le dis. Moi. On aura quand même joué jusqu'au bout. Allez, mets ta tête. Ah, dommage. 90e. La réduction du score de Hulk. Franchement, Hulk qui m'aura bien bien surpris. Hein. Allez, offensif, offensif, tout le monde. Monte le gardien là, fait monter tout le monde. C'est fini? Non, il gagne un peu de temps. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Ah, c'est terminé. Bien joué à lui. 3-2. Bon, au moins vous aurez vu des buts. Qui c'est qui a marqué chez moi? Neymar et Hulk, si je ne m'abuse. De son côté, bon, je pourrais pas trop vous dire parce qu'il y avait certains joueurs que je ne connaissais pas. On va aller voir les stats. Il n'y en a plus pour très longtemps. Alors, Hulk et Neymar, bon voilà, l'un dans l'autre, il méritait largement quand même sa victoire. On va aller voir un peu si tu pouvais appuyer mon enfant, on passerait un peu moins de temps. Allez, appuie, 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 on s'en fout. Voilà, alors au niveau des stats, bon ce sera une défaite en finale, hein, c'est pas bien grave, comme je vous le dis, moi le principal c'est de faire réussir à passer deux tours. Après c'est du bonus, mon gardien au nombre des arrêts 9-2, bon il y aura pas photo hein, je pense au niveau des stats. Des crédits, et alors 15 frappes à 11, 3 frappes à 2, 2 frappes cadrées, 2 buts, je pense qu'il n'y a pas photo, il méritait largement sa victoire comme je n'ai cessé de le raconter, et ça se sentait dès le départ de toute façon. Bon alors, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu malgré la défaite, et moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien, salut tout le monde. Newman, Newman, le seul youtubeur qui n'a pas d'intro. La grosse frappe.